C'est reparti, les amis. Capcom Present. Oh, 2000. X. On parle 2019. C'est pas aussi avancé que ça. Technologiquement. Hey, merci pour les good luck. Ouais, on devrait l'avoir cette fois-ci. Encore, je le souhaite. Les morts sont faciles. Ou arrivent facilement. Juste avant d'arriver à la porte du boss, hein. C'est la moindre erreur et c'est fatal. C'est ça, les Megaman. Ça reste facile, hein. Ça, les checkpoints sont généreux et tout de tralala. Non, mais là, je vais me fixer continueless, c'est déjà un minimum. Puis les vies sont généreux en vie, ça devrait être correct, mais je veux pas perdre de vie dès le début du jeu. Round 5, ouais. Hey, merci Jimbo pour les good luck et disco. Donc à partir de lui, évidemment on peut slider comme dans le tour, mais on peut aussi retenir notre charge de booster. Là ça commence à être le fun. Hey, couché. Depuis qu'on slide, je trouve que ça rajoute du piquant, sauf slider proche d'un trou, ça peut être fatal. Je veux savoir, prévoir comment que les ennemis vont réagir. Ça, c'est le best. Le boss, il est pas évident. Mais il peut être facile, dépendant de son pattern. Ça, c'est des phases que... j'aime pas trop. Hein? C'est le BB Jump. BB Jump. BB Jump. BB Jump. Bon, beaucoup mieux l'ender que les autres fois. Sans se faire toucher, nice. Je prends des risques. Je connais pas toute la physique ou tout ce qui est possible de faire. Ah, j'ai-tu parlé du 5? J'ai passé 5 Megaman jusqu'à maintenant. Mais on est sur Mega Man 4 ou Mega Man 5. Ah, ça passe vite. Hein. Il va en rester juste un à la fin. Très vite. Ah ouais, les rounds, ben ouais, c'est la 5e round. J'allais dire jamais 203 tantôt, mais malheureusement. Bon, là j'ai pensé à retenir ma charge. Viens tantôt. Oh, come here! Un combat là mortel. Hein. Hey, c'est vrai quand tu penses à ça, c'est pour ça qu'ils ont sorti Street Fighter. C'est des maniaques de jeux de fight, c'est les méga. Hey, je veux pas rester là, va-t'en. Non! Ah là, c'est bad. Ouais. Thank you. Bon, Kim. Il est rapide, hein? Il peut sauter d'un endroit à l'autre. Là. Ah, c'est ça, quand j'y repense, ça, t'as 8 Robo Master à combattre. Un peu dans le style d'un jeu de fight. Mission completed. En plus, c'est Capcom, en fond, qui ont quasiment popularisé au maximum de sa popularité les jeux de fight. Là. Street Fighter, c'était un énorme succès. Le 2. Le 1. C'était... encore incertain. Hein. C'est pas en tout cas avec le 1 que ça aurait pas lié. Là. Malheureusement. Ça a pas été un gros succès. Où ce que tu peux mourir instantanément, je trouve pas trop. Hein? C'est Namco, ce Tekken. Ah, c'est sûr, il y en a qui, c'est sûr qu'il y a mieux Tekken. Il y en a pour toutes les lignes. Hein? Pas vraiment joué à Tekken. Plus à Virtua Fighter dans le temps.
ça a sûrement mal. Ben, c'est sûr, ça a mal vieilli. Déjà que dans le temps, tu sais, on savait que c'était pas mal au corps. Hein. Bon, je vais dans cette pièce-là pour l'énergie tank, mais aussi pour permettre de voir que ça existe. Plateforme invisible dans le coin. Bon, une autre section sketchy avec des lags. Mega lag 4. L'autre qui se croise, je ne sais pas trop. Oh, bon pattern. Parce qu'ils peuvent tirer. Les RNG varient, ils peuvent tirer à 4 hauteurs différentes. Parce que dépendant à quelle hauteur qu'ils tirent. Puis même, je viens de remarquer que les sauterelles, ils sautent pas tout le temps à la même hauteur. Des fois, ils sautaient plus haut, des fois, ils sautaient moins haut. Puis là, ça fait 5 essais que je fais, quand même. Un peu ici. Bon. Oui, là, tu m'as eu tantôt. Non, pas deux fois. J'espère. Faut pas. Bon. Pharaon. On attaque Brightman actuellement. Ben, l'arme de Pharaon. Continuer à te promener de même, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon. C'est même excellent. Il y a eu un pattern, disons, facile. En tout cas, pour moi. The best pattern for me. Mission complete. Mission complete. Bon, on va finir par aboutir. Ça va finir par aboutir à quelque chose. Je suis surpris d'avoir... Ben, c'est sûr que Mega Man, ça reste pas évident quand même, vite comme ça. Moi, mon timer, en passant, c'est un bon aide-mémoire. Ça me permet de savoir où est-ce que je me dirige, le timer en haut. Ça me permet de savoir que là, il fallait... Moi, des RNG, je peux pas croire. Je vais prendre la peine de le tuer. Je tente pas de retomber une autre fois. Oh! L'énergie accrochée dans le mur. Hey! Ah, c'est sûr qu'il y a des pattes. Je vais le tuer aussi. Fatigant. Tantôt pour dire hitless, j'étais capable de passer là. Wow! Avec les jumps. Ben, hey, j'aime mieux pas slider que lui. J'suis un anti-slide. J'suis un vieux old school. Mega Man 1. Ouais. My favorite. Ah là, j'suis pas bien parti. Ouf! Ouais, au moins il y a de l'énergie, ça va la peine d'aller la chercher. Quel méga lag. Ah ouais lui. Ouais, c'est vrai, la charge. Putain, j'en retiens le bouton, mon gars, faut t'en rappeler une autre fois. Aujourd'hui, on dirait, c'est ça. Ah, bon. Good, il te laisse, c'est bon. Ah, un autre boss. Back to back. C'est des ça, des sous-boss. Ah,
J'aime ça au booster. Booster on. Oh! J'ai pas pu récupérer l'énergie. Dope, dope. Mais c'était bon. Il y a ça aussi. Ah, dope, le petit dernier en plus. Oh oh. J'aime pas cette section là. Ouais, c'est assez hard les certaines sections dans le jeu. Oh yeah, le petit saut que je fais il est bon parce qu'il m'empêche de me faire toucher. J'évite les nids. Bon, good stage pareil. Une bonne difficulté, ça rend encore faire un chat. Ça c'est pas ça. Ah lui, ouais c'est un hyperactif, il est facile mais. Mais je me suis fait avoir là. Tu sais, on dirait que quand tu te fais toucher, tu t'es déstabilisé pour après essayer d'éviter ces autres tirs. Ou en tout cas, c'est vraiment pas évident d'être tout le temps timé dans tes. Une chance, j'avais beaucoup d'énergie. Mission completed. Good. Ah, ça progresse. Qui vit jusqu'à maintenant? Ma cinquième essai pour pouvoir, dans une seule run, le rendre jusque là. Donc, quatrième Robot Master. Ça va bien. Thanks, Jimbo. Et GG. Ça va être ring. Oh non, oh, c'est vrai, je me suis rendu à ce stage-là. Je me trompe. Faut que je franchisse la zone mortelle. Hey, les lags! Sorry, les lags! Please. C'est laid, non? Elle scrape l'harmonie. Elle aurait dû sortir Capcom de la RAM, non? Quelque chose pour empêcher que les jeux RAM de même, hein? Ça n'a pas d'allure. Pitié. Pitié! Le gameplay est mauvais, man! Voyons! Je me vire! Il veut pas se virer! En tout cas, vous pouvez pas comprendre ce que j'essaie de faire. J'essaie de sauter puis me virer, c'est impossible à cause du lag. Faire genre ça de même. Impossible. Ah, cette section-là. Hein. Une chance qu'il y avait un refil d'énergie. Pas d'énergie. C'est chiant. Ça rend ça tough, là. Bon, on est rendu au compacteur. Je pense pas que là, ça soit un problème. Nice, thank you. Ouais, ils peuvent donner de l'énergie, ici. Bon, c'est ici le problème. Comment j'ai fait pour rater ça tantôt? Voir bien une technique. Une rangée à fois. Là, j'en ai fait une rangée. Mais elle base pas mal. Bon. Tantôt, c'était tout croche, c'est pour ça. J'étais mal pas écrit. J'aime mieux le faire comme ça. Il y a probablement une autre façon de le faire, mais. Ils sont généreux avec l'énergie. C'est slow, mais c'est le fun. Survivre à tout ce danger. Ouais.
Oh, oh, les résistants, encore de l'énergie. Vous en donnez trop, là. Soyez pas trop généreux, gardez-moi ça pour plus tard. Il n'y a pas réapparu, non? Bon, boss time, nice. Ils sont solides, les stages. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ring. Mon âme mémoire. Dust. Avec Ring. Il faut que je sois proche de lui. J'ai toute mon énergie. Ce sera pas dur. Il n'y a même pas eu le temps de réagir ou de faire quoi que ce soit. Ah ouais, c'est sûr. Toutes les Mega Man, c'est du 10 sur 10. Mission complete. Next score. Hey, thanks again. GG. Bon. Dust Crusher Large. Ah, il y a le fun sûrement ce stage-là, en tout cas j'espère. Il sent être amusant. Il semble être amusant. Ils ont mis beaucoup de stage avec des trous jusqu'à maintenant. J'aime ça des stages où t'as pas trop de trous pis que c'est plus axé sur tes skills. Là tu as plus d'ennemis. Bon, laissez passer. J'ai déjà assez bien mémorisé la run. Hein? C'est mieux de passer par en haut. Comme ça. J'ai besoin d'énergie. Oups! Ah, peut-être que j'en aurais besoin. Faites la gaffe de slider au mauvais moment. D'arrêter plutôt de slider. Ça m'a donné un refil d'énergie. Ah, on peut aller voir ici, c'est vrai, il y a une énergie tank en haut. Intéressant d'aller voir une autre partie de niveau. Quand même, il y a de l'énergie. Pourquoi pas? C'est pour pas se faire toucher. Ah, ça ressemblait à ça. Fallait que je m'éloigne légèrement en plus. Je sais pas où la distance. On en revient avec le même nombre d'énergie que j'avais avant d'arriver dans cette section-là. Oh, mon premier trou. Hold of death. Je fasse attention à ça. J'ai slidé. Ouais, passe. Hein. Nope. Bon, on perd beaucoup d'énergie. Ben, bah, pas si bien. Oh, bien exécuté par un. C'est fun ce stage-là. C'est une bonne transition entre les autres stages difficiles qu'on a connus. Dust. Oh. Dust n'est pas super, me semble. Easy. Ah, il me donne une coupe de boss easy, là. Ça va bien. Je vais préparer ma feuille pour la fin. Ah, j'ai les capsules. Pour savoir quelle arme prendre avant même d'arriver dans les pièces quand on arbatte les robots master. Je me suis fait moi-même la petite feuille. Ouais, c'est un beau stage. Les stages sont plus fun que d'autres. Quand il y a toujours des trous, il faut t'attendre comme tantôt avec les sauterelles. T'as des spikes partout. Ah, un autre stage qui est peut-être le fun, si je me souviens bien. Ah, pas réussi. On va sûrement me faire toucher ici. On tombe en bas. Ah. C'est dur de pas se faire toucher. Ah, il est tough, lui. Je vais perdre probablement beaucoup d'énergie. Ah.
gagne un peu sur ma route, tant mieux. Parce que lui, c'est random. Oh, bon pattern. Ça, c'est le meilleur des patterns. Quand il tire pas de missile. Oh. Ok, c'est vrai qu'on peut faire des méga sauts. Méga jump. La physique est vraiment le fun. Pour une fois qu'on peut aimer des stages dans là. Oh yeah. Thank you, random. Pas sûr. Il y a un stage qu'il faut faire attention. On pense qu'on arrive à la fin. Dans le fond, il y a une échelle où il faut traverser. Ça reste le fun en crime des Megamans. Les as-tu gardés, personne et toi, dans ta collection? C'est vrai que la Power Pack peut finir par faire la job. Tu l'as pas encore, mais dès que tu la procures, tu n'auras plus besoin d'avoir aucun jeu. Oups. On peut mourir instantanément. T'as les 6. Oups. Ah, c'est une série. C'est trop le fun. Oh, je sais pas comment je vais me... Je vais être obligé de prendre un énergie tank hein, pour le boss. À moins qu'il est facile, lui. Ouais, il est facile. Hein. Mais faut pas que j'y touche. Je peux-tu y toucher une fois avec l'énergie du jeu? Et... Please. Je suis capable. C'est pas un des boss les plus durs. Là. C'est pas grave, c'est un continuous. On va l'avoir là. Checker là, je vais être capable de le faire sans me faire toucher. Ça coupe le souffle, hein? Calme. Pour vrai, il est pas dur ce boss là. Au moins, j'ai pas gaspillé ma seule moto. Ah, je l'aurais eu sans me faire toucher. Trop easy. Pourquoi t'es dur tout d'un coup là? Collabore pas. Pas grave. On est sorti de l'auberge. Ah, mais mourir au boss, c'est vraiment pas si grave que ça. On apparaît à moins de plus avoir la sub-weapon pour le boss. Mission completed. On réapparaît direct à côté. Ah, mais t'as quand même le 1. Selon moi, c'est l'un des difficiles à se pas d'occuper. De plus en plus. Le 1 puis le 5-6, mettons. 2-3-4, c'est sûrement les plus faciles à trouver. Le 2, c'est sûrement, selon moi, c'était le plus facile. Il valait même 20$ à un moment. Même pas 15$. Même peut-être non. C'était vraiment pas cher. Il y a une période que c'était ridicule. Tellement commun. Vraiment le 2, selon moi, le plus facile à trouver. Ah, le 1 complet. Ah. C'est bon. Encore mieux. Ah, son hélice. On va pas aller chercher l'énergie, mais bon. La vie, je pense pas en avoir de besoin. Je vais aller la chercher tantôt. Oh oh. Au cas, non. Il me donne une... Oh, une drop d'énergie. Hey! Je vais garder mon énergie. Vous n'êtes pas en mesure de m'en donner. Il y a un énergie tank là. Oh. Ah ouais. Cette section là. Ah,
Good. Pourquoi j'ai pas pris l'énergie tank? Je sais pas. la phrase typique dans les Goonies. Va sûrement en récupérer d'autres de toute façon sur ma route. Je vais au minimum en avoir une actuellement. Ça en vient bien. Hein? Oh. Rêve. Rêve. Ouais, les prochaines, je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont sur notre route. J'aime ça jouer risqué. Il y a assez d'énergie tank, même il y en a trop. Mission plus complete. Que ce que t'en aurais besoin pour le terminer. Surtout là, en ce moment. Il devrait faire... Il y a dans des Mega Man que si tu tombes dans un trou, tu peux acheter dans un store. Mettons, quand t'arrives dans le menu où les 8 Robo Masters, t'as un magasin en plein milieu, tu peux acheter de quoi qui te permet des ailes, me semble, c'est Beat qui vient de sauver, je suis pas sûr. Il y a ça, je pense, même dans Mega Man 6, si je me trompe pas. Ou dans Mega Man 5 ou 6. On va clencher ça. C'est appelé ça. Good. Et sérieux, j'ai pogné dans le vent, j'étais pas sûr. Pas convaincu. Bon, là ça va être l'effet contraire. Ça va être plus speed. Bon. Je vais à la vitesse normale. Dans un stage de Willy ou Kozak, me semble. Hey, crème, il a failli m'avoir le petit verre là. Hey, merci, Lilo Vivre. Merci pour le fort. Bon, il va sûrement me tirer ses yeux. Ah, again. C'est bon d'avoir fait au moins sans se faire toucher. Un autre? Ah ouais, lui. C'est un petit peu plus dur. Hein. Non! Tu peux t'envoyer à la bombe, là, toi. Ouais. La charge qui veut pas charger. C'est un petit peu plus tough là. Viens là toi. Hey, pas deux fois. On va prendre Jet Set là. Ah, j'ai juste deux vies peut-être. Alors que je fasse attention. Ah, il est facile. Hein? Ouh, je dis il est facile, mais j'ai pas trop pris la peine de regarder que j'étais à trop d'énergie comme d'habitude. Je prends des risques, hein? Deux vies quand même qui me restent pour accomplir ce continue-less. Ils ont été plus généreux que ça avec une vie dans l'autre. Nice! On a fini les 8 Robo Masters en moins d'une demi-heure. Ouais, ça va bien. Je pense que je m'en fous une fois. Deux max.
bizarre que je me souvienne plus combien de fois je suis mort. Non, je pense que je suis mort juste une fois au boss, ça se met ça. Je suis pas mort dans les stages, si je me trompe pas. Bizarre, j'essaie de garder le focus, puis des fois ça me fait oublier dans le fond. Je mélange peut-être avec les autres essais que j'ai fait avant. Donc ah, c'est vrai, il y a une vie en partant ici, je pense, cadeau. À moins que ce soit une énergie tank. C'est peut-être une énergie tank d'après moi. Les slinky sont résistants. Pas besoin de ça. On n'a pas eu le droit à beaucoup de vie pour l'instant. Good. Bizarrement en fait, c'est mieux. Il devrait faire une run. Ah, dope, hein? J'avais oublié la physique de ce stage-là. Pas de jeune vie. Moyen au-dessus, hein? Dans la tête. Ah, la physique, hein? Pas évident, quoi. Hein? Se fait complètement avoir avec ça. C'est un gros risque à... C'est crazy, hein? Je pensais que ça allait être plus facile que ça. What? La mécanique, man, est vraiment pas là, man. Come on, prends la l'échelle, please. Ah là, je peux pas vraiment, là, voyons, là. Wow. C'est une mécanique à 200 mètres. Parce que pourtant, il y a un détail. Hein. Mais non. Ici, là. Tu sais, je l'avais first try. C'est ici, le problème. Bon. Je l'ai calé pourtant par là, mais Clem, il s'est décroché de l'échelle. Bad, ça. Dommage, frère. C'est parti la game. Ah, lui, il est facile, le boss. Le papillon. Ok. Un chauffe-tour. De se surprendre pareil par la physique de Mega Man. C'est méga physique. Mission la méga physique de Mega Man. Ou plutôt là, c'était plus la mécanique. La méga mécanique. Avec le casting de Rush Jet. Là.
J'ai rushé un peu. De façon ordinaire. Celui-là aussi. Max. Bon, la chauve-souris qui est là est étonnante. Vraiment, j'ai besoin d'avoir le ring. Hein. J'en manquais dans mes autres hommes. Bon, en tout cas, d'un ou l'autre. Pharaon puis ring, c'est les deux plus importants. J'ai toute mon énergie. On prendra pas de risques. Ah, c'est pas dur. Je suis pas mort tantôt, c'est juste de la recommencer à quelques reprises. Oh. Bon. J'en ai trois énergies tank, j'ai pas besoin d'aller chercher cette énergie tank. S'arrêter une vie, ou garder une vie en même temps, peut-être que là, les vies sont plus importantes que les énergies tank. Regardez donc ça, toi. Il y a une vie ici. Je sais pas si c'est avec le jet. Non. C'est plus avec l'autre coil. Parce que j'ai rien qu'une vie. Fait que ça peut déraper assez vite, les amis. Ah, je peux y aller, dans le fond. Au final, voyons. J'ai été absorbé par autre chose. Bon. Au moins, une vie de plus. C'est nice. Dust. Je me souviens plus de ce boss-là. Ça t'arrive dans la face de même. T'sais. Parce que c'est différent, dans le fond, d'une fois à l'autre. Oh, il va être facile, ce pseudo-boss-là. Alors, moi, je me fasse cruncher. Je me suis tellement laissé surprendre par la rapidité à laquelle il est arrivé. Wouhou! Bien pensé. Deux cycles, sûrement ça se fait. On dirait que ça va, c'est plus lent quand je reste en dessous. Ça fait lag. Bon, bon, là. Easy, il manque rien qu'une shot. L'un des boss faciles sur le jeu. Les niveaux sont pas évidents, c'est ça. Là, les boss sont plus faciles, les niveaux sont moins évidents. Tantôt, dans les 8 robots masters, c'est un mélange de tout. Des fois, tu pognes un boss plus facile, des niveaux plus durs. C'est vraiment le fun qu'on soit pas tout de suite à Dr. Willy. Ça fait durer le plaisir. Oh, je m'attends. Bon, à part les petits mistakes, des fois, le fait que je prenne le temps de... choisir l'arme que je veux ou whatever. C'est une bonne game.
pas se caler trop, ça va être là. Oh. Oh. Non, ce mec allait avoir mis. Pas trop se coller ce mec là, pas ça. Allez, je rate. Sweet quick, c'est sûr que tu t'en fais toucher. Ou pas. C'est sûr que tu t'es touché une fois. J'ai pas trouvé comment, à part peut-être. Même avec Jet, y'a pas de façon de décoller avec. Tu peux pas monter, je pense, avec. Bon, le fameux auto-scrolling. On a droit ici à une réserve de quelque chose. Ah, le booster. Le tour. 10 minutes. Oh! Thank you. Bon, à partir de là, on devrait être safe. On va revenir à 3 vies. Je pense qu'on commence le jeu avec 3 vies, si je me trompe pas. Déjà 3 énergie tank. Faire un 11 shot. Ah ben moi aussi. Mes meilleurs vœux. Bonne année en passant. Ça faisait longtemps que t'étais pas passé. On t'en... Je suis en plein accomplissement de... Mega Man 4 pour le Venus Challenge. Mission completed. Late mission complete, mais c'est ça quand même. L'autre, je le fais quoi? Au booster? Ouais, il était facile, Kozak. Ouais, ça avance assez rapidement, disons. Il reste 5 niveaux, à peu près. Oh, ici, c'est le moment pour sortir. Là, si je me souviens bien. Ouais, surtout Pharaon quand on a besoin. Pas mal. Hein. Ah, j'ai raté. Ben, je peux même me reprendre avec Cole, c'est vrai. Pourquoi pas? Ça va à peine. Là. Avec ça. Là, j'aime ça être sûr. Ah ouais, le choix de deux chemins. Change pas grand chose. L'autre, il y a un energy tank. Lui, c'est plus hard un peu. Voilà. On va prendre le chemin le plus dur. Il y a une vie en plus. Bon, ben, c'est encore plus sûr de l'avoir. C'est vrai que c'est les 8 Robo Masters, ça se pourrait que ça soit top. Vive les iPhones. Ah ouais, c'est un super jeu, évidemment. Super le fun. Oups. On va laisser passer. Un one way. Easy, déjà dans le... Ah, c'est au booster, c'est vrai. Au booster, sinon on avait le choix en dust puis boomerang. La ligne, à l'ensemble d'énergie, est plus longue que... à la normale. Oh, j'ai pas beaucoup d'énergie, moi, là. Ok.
Yes! Je me suis dit que je me ferais sûrement un peu tuer par ça. Ça se pourrait. J'aime ça jouer tendu. J'aurais pu prendre une énergie tank le tour arrêté de jouer. Bon, j'ai skippé ça. La petite scène, sorry. Mission completed. Bon, on peut splitter n'importe où. Il y en a qui splitent. Justement, je pense que. Il y en a qui attendent où la soucoupe volante. Ou au fondu, là. Yes. Ah, on a du fun. Le fun. Il va être de 4 stages encore. On rajoutait du replay via value. Il aurait pu mettre, genre, mettons, 5 niveaux de Dr. Willy, 5-6. Il y en a quand même 4 de Kozak. Dope. 4 de Dr. Willy. Puis je la discute avec eux autres. C'était là, hein. Je sais pas si c'est lui. Il y en a un qui c'est dans l'eau, là, ça devrait être là. On m'a attendu. Oups. Ah, pas d'affaire à aller par là. Ah, c'est ça, c'est lui. Je me suis même pas fait tuer là dans. J'avais la pression qu'il faut que tu fasses. Là. Bizarre, là, j'avais un pressentiment. Pourtant, j'ai pas hésité, j'y étais, et puis. Au moins, j'ai encore d'eau de vie. Mais lors de mes pratiques, je suis pas mort là. T'sais. Là, ça passe. T'sais. Wow! Please. Ouais, non, c'est vrai, t'as Rush. C'est vrai que j'aurais dû m'en servir. On aurait pu voir Rush Jet, là. On s'en sert pas assez souvent. Il y a dans un Megaman que je m'en sers, dans une des sections. Comme là, c'est sûr, c'est Jet. Ça va être plus facile. On attend. Good. Bon, c'est pas... Une vie perdue, ça montre que cette place-là, c'est pas évident. Est-ce que je vais avoir besoin d'autre chose? Je pense pas. Pas besoin d'autres énergies tank, y'en a trop. Ring boomerang. Ah ouais, lui. Bon, ça, il est pas évident quand même. Ben ouais. Lui, c'est sûr, il faut que je prenne une énergie tank. Ça sent l'énergie tank. Ouais, il est pas censé me tuer. Là, ça serait safe. Là. Non, quand même. J'ai failli me faire tuer par les drops. Hein. C'est le pire. Mort. Je n'avais même pas besoin. Ça, c'est bien moi. C'est pour ça que j'hésite à prendre des énergies tank. Mais on ne sait pas comment ça va se passer. Mission completed. Mais la plupart du temps, quand j'essaie une run, je me dis, prends pas d'énergie tank, prends pas d'énergie tank. Je meurs à cause de ça. Puis quand j'en prends, finalement, je réussis à pas me faire toucher. Ben, tu... Encore ring. Dernier vrai stage. À la bonne place.
drôle. Oh, oh. Hey. Il me laisse pas beaucoup de temps de réaction. First, j'essaie, mais des fois, on tendance à jouer, à pas jouer ça. Bon, si c'était de quel côté encore fallait jouer. Il me semble que c'est de l'autre côté. Oh, yeah! Oh, moi j'ai réussi ce jump-là. C'est mieux en courant, mettons tu pars, là tu le fais. Saute, saute. Double jump, c'est tough. Là. Encore rendu. Quand même short, hein. C'est des rings que j'ai plus. C'est l'un des boss les plus faciles aussi du jeu. J'ai eu des bons patterns. Mission completed. Il a pas envoyé beaucoup de bombes par en haut. Des boulets de canon. À la rempart. Mais pas rempart. Ouais, ring, là, faut que je l'augmente. Faut que je le booste. Ouais, reste deux levels, puis déjà, là, c'est le rematch Robo Master. Ça passe vite, hein. Une heure, à peu près, la run. Encore plus safe. Déjà presque arrivé en plus. Easy. Bon. Ma petite feuille ici. Il faut que je me souvienne que les deux d'en bas, c'est les plus faciles. On commence par dive ici. Les énergies tanks vont peut-être être pratiques. Jusqu'à un certain point. Ce qui m'énerve. Pas trop quand même. Arrête, il va sortir de son cocon. On est égalité. What? Bon, je vais aller faire school. Bon, là, suite. Ça m'a remonté toute mon énergie, lui il est facile. Ouais.
tantôt pour dire je suis mort à lui. Là, je viens de faire un perfect. Rain Flush. On s'en est pas servi, ça encore. Hein? Il est où, ça? Tellement que je sais pas. Il est en bas, là. Ça. Ah, c'est Toad. Là, elle appelle Toad. Moi, c'est marqué Rain Flush. Bizarre. Ça rend le boss facile, malgré qu'il me touche à chaque fois. Bon, en tout cas, à moins que je réussisse à dodger ce qu'il me lance. Ah. Le petit verre, là. Faut que je me mette sur la plaque que là, sinon j'aurais pas... Ah ouais, ouais. Good, bon. Sinon j'aurais pas ce refil là. Donc, avant d'aller faire l'autre, je vais faire du drill. Je vais m'en remettre toute mon énergie vu qu'il est facile lui aussi. Ça me donne un facile ça. Easy. Mais après, on va aller faire Dust ici. C'est assez rapide. Surtout que j'ai ma feuille, puis je la... j'ai ma feuille depuis que j'avais fait le Nodetron, il y a 5 ans, peut-être. Oh, mon énergie à surveiller. Oh, hein. Le verre. Ben oui. C'est là que ça clenche. Bon. Ça sent que... Faire avoir parmi... Please. Je vais avec le feu un peu des fois. Lui, c'est du mashage. Il peut pas servir de son... de notre booster. Hey, ça me touche! Mash, mash, mash! C'est trop facile. Pauvre lui. J'étais en train de drainer son énergie. Ghostbuster! Bon, peut-être là, je vais avoir besoin d'un energy tank. La force qui s'en vient n'est pas évidente. C'est le ring que ça prend. Ouais, il est cheaté ce power-là. C'est chiant. Non, il faudrait pas que je me fasse toucher dans ce part-là. Ça se fait. Toucher. J'aime ça dire ça. Hein. Le nouveau patois. Drill. Ouais, c'était ça. Hein. Wow. Oh ouais, sauve-toi pas! Oh. C'était good. J'aime ça, essayer de l'attendre, le moment critique. C'est une bonne fight, pareil. Avec les lags, là, ça rend ça... des fois, c'est moins évident, ça nous fait perdre le rythme, parce que des fois, ça délague, ça relague, tu sais pas trop comment gérer ça.
Bon, ben, la fin, les amis. This is the end. Alors, faut que je farm une petite affaire pour rendre ça plus safe, sinon, je vais mourir au boss de la fin par défaut. La seule arme qui est efficace, c'est Pharaon. Oh, généreux en partant. Ça, c'est intéressant. Bon, bon, on a tout ce qu'il faut pour Pharaon. Bien joué. Wow. Une vie en plus, quoi. Ben ouais. C'est en business. Ah, j'ai pas oublié de farmer. En plus, tout de suite en partant, ils m'ont donné la meilleure des drops. Tiens, toi. Ah, dope. Ah ouais, please. Voilà, c'est bon, ça. Oh, encore meilleur. Encore très bon. Un autre coup, le coup de la mort. Boom. Good boom. Mais c'est bizarre, on a encore le contrôle du jeu. À part là. Mission completed. Good. Victory. À une heure. Flush, c'est 22 secondes. Presque un sub d'une heure. Avec un peu plus d'expérience, disons, moins de morts. Ça aurait été faisable, mais... Je suis content du résultat, sérieux. Et surtout, que c'est le fun à jouer, mais quand même. À part les lags, sérieux. Je vais trouver toujours le tour de critiquer quelque chose. C'est normal. C'est que les graphismes sont probablement trop impeccables. C'est de la bombe, man, sérieux. Là. J'adore cette série. Ah, ça fait plaisir de le terminer. Pour une je sais pas combienième fois en carrière. Good boom, hein, le champignon, presque en style nucléaire avec la tête de mort. Hein. Le château est en forme de tête de mort, donc quand il explose, il se permet d'exploser comme en tête de mort aussi. Donc, merci. Bambou, Anaf King, c'est Anafum. C'est Kenji Anafum, c'est sûrement. Anaf King. Lui, il est drôle, Toshiki. Toshi-chan Zizi. Ah, les cheveux dans le vent. C'est vrai, il a enlevé... Hey, puis dans... C'est le fun, dans Mega Man 9, t'as une option, quand je pense à ça, pour enlever... excusez. Pour enlever son casque, puis faire une run Emletless, même qu'on dirait ça, sans son chapeau. C'est vrai, ça rend ça le fun, ça aussi. C'est un petit ajout de plus. Il y avait un objectif, justement, qui... Ah, sérieux, Mega Man 9, c'est un retour, disons, à la base. Mais là, on parle... Là, je viens de terminer le 4, là, mais ça me fait penser à cause que là, il n'y a pas de chapeau. Hein. Et ben, il n'y a pas son casque à Mega Man 9. J'étais quasiment sur le point de l'oublier qu'on avait la possibilité de l'enlever, son casque, à Mega Man 9. Ce serait le fun, des petites options de même sur NES. Il aurait dû mettre... il y a dans les Megaman, il n'y a pas de menu d'option ou quoi que ce soit. Hein. Toi, tu vas te coucher, Morpheus. Hein, merci encore pour ta suggestion. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Yes, le 209e jeu de fête. Crème Tron, c'est Trombone derrière? Ou je sais pas. La sœur de Megaman. Hein. Elle était avec Roche. Donc, il les présente même pas dans l'ordre. Ça me surprend. Ouais, c'est pas le temps. Hein. Mais au numéro 25 ou 26, plus 29. Bang. Donc au total, ils sont rendus à je sais pas combien de robots master. Merci encore un truc pour si t'as acquitté. Je te souhaite bonne nuit. Hein. Vraiment une très bonne suggestion. Évidemment. Un grand fan de Mega Man, ça. Depuis longtemps, ben, depuis le 1. J'ai eu le 1 avant toutes les autres. Il n'y avait même pas le 2 de sortie quand j'ai eu Mega Man 1. Aux distributions consommateurs en 1987. Que des bons souvenirs. Je sais pas pourquoi que j'ai eu ce jeu-là. Qu'est-ce qui m'a marqué ou qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ça. Je sais pas. C'est peut-être le seul jeu de Capcom que je voyais que... Hein, finalement, c'est le seul qui me manque. J'aimais bien Capcom. J'avais Trojan, Commando, Ghosts'n Goblins. Il me semble que j'en oublie un.
là, Gunsmoke. Fait que sont pas mal tous, disons, des early... des early Capcom games. En tout cas, merci gang pour les GG. Merci à toi, Padish, Mr. Disco Dan, Aaron. Merci à toi aussi. Ta vie en mauve, Montréal Expo, Personator, Zatlus de Crusher, Jimbo, Richie, Morpheus, Jock Rummy, Nostalgique. Yes, merci aussi à Panu, je sais pas si je t'avais mentionné, mais à tout le monde. Merci Frankie Nater. C'était présenté bien sûr par sûrement ma compagnie favorite, la compagnie qui a su innover au fil du temps. Sauf peut-être dernièrement, j'ai aucune idée ce qu'ils pourraient faire d'intéressant, mais bon. Oui, oui. Mega Man 4. Je sais pas quand je vais pouvoir y rejouer, mais c'est sûr que c'est un jeu que je privilège, que je vais privilégier. Fait qu'en 5h, quasiment 40 de temps, on a terminé ça. C'est normal que j'avais pris plus de temps, c'est que j'ai pris le temps de pratiquer aussi. Ça m'a pris à peu près 3 ou 4 heures de pratique pour même pas 2 heures de run. Et en 5 essais, j'ai réussi à faire aux alentours d'une heure, en 1h et 22 minutes. Et 22 secondes. Nice. Bien joué en tout cas. Que next game soon, gang. Et là, ça sera vraiment pas la même qualité. On va voir ça en temps et lieu parce que ça allait être surpris. Ou on va même. Moi aussi, je vais être surpris, ça c'est sûr. J'ai jamais joué encore à l'autre jeu. On verra en temps et lieu. Nice.